Mais qu'on parte quelque part, faire un petit voyage. Non, je vais aller en Israël. On ne fait pas sa vie à 54 ans. Je parlais même pas hébreu. C'est toi, Gisèle, qui lui a mis ça en tête. Ta gueule, maman. Mazel tov. Vous êtes en Israël. Écris un mot que tu lui adresses. Au mur. Faticule PG. Batloem. Ça y est, tu t'installes. Mazel tov, je t'invite à déjeuner. You speak English? Yes, English. I don't speak English. Ça fait des semaines qu'on n'a pas fait l'amour comme ça. 8 mois. Comment ça? Il faut que tu te fasses circoncire. T'es pas circoncis. Regarde. Toi. C'est pas vous, ça? Ça, c'est vous. Et c'est ce qui vous reste après. Il y a de quoi faire. Ça va être magnifique. C'est Tel Aviv de demain, mais aujourd'hui. C'est normal pour un rabbin de fumer de la marijuana? Il y a 613 commandements de la Torah. Et aucun ne dit, tu ne fumeras pas de cannabis. Ça me fait plaisir de vous voir. Il est où, notre appartement? Bon, alors, eux, ils seront plus là dans une semaine. Hein. Alors, évidemment, il faut imaginer tout ça redécoré avec du goût. Hein. Ici, il y a une fenêtre. Là-bas, une autre fenêtre. 2 fenêtres. Moi, je vous envie. Hein. On y va. On va où? C'est fini. On rentre. Quand tu vas baisser les bras au premier obstacle. On a passé 25 ans à se chercher. On s'est enfin trouvé. Et toi, tu ne te rends même pas compte. Personne n'est fait pour la vie de couple. Ça, c'est comme piloter un sous-marin. C'est pas naturel, ça s'apprend. Si je veux partir, pars. Moi, je reste.